So your tea has been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt. And you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. Get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. La 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 love. Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui pour le Mega Air Challenge, donc notre rassemblement véhicule électrique. On va prendre la route tous ensemble, mais je voulais vous montrer un petit peu les forces en présence. Donc on va passer sur toutes les voitures qui sont là aujourd'hui, il y en a près d'une soixantaine. On a de la Tesla Model Y, BYD Atto 3, Tesla Model Y, encore BYD Atto 3, encore Tesla Model Y. Ah, c'est une Model 3 celle-là, pardon. Model Y, MG4, une Ioniq 5, une MGZS nouvelle génération, une formidable Model S, un nouveau Atto 3. Ça doit être... Ouais, c'est bien ça, c'est un V6 GT celui-là. Marvel Air, EV6 GT Line, Atto 3, Marvel Air. Et elle est pas formidable celle-là. Regardez-la comment elle est belle. La plaque est belle. La plaque est belle, hein. Elle est jolie, hein. Elle est magnifique cette voiture. Oui, c'est la mienne. Donc un EV6 Water. Une DS3 électrique, une i3S. Ensuite, on a une MG4. Une 208 plaque Black Pack Edition. Nissan Leaf, qui participera peut-être même pas. Une Marvel Air. Ouais. 208 à nouveau, une Model Y. Celle-là aussi est pas trop mal. On fera avec. Une autre 208, une MGZS première génération, une Dacia Spring, formidable. À nouveau un ZS deuxième génération, encore une autre 208, une Ioniq 5, un Kona première génération, une autre 208, encore une 208. Deux Geely, et en plus c'est bien parce qu'on a les deux versions, la 550 et la 450, je les reconnais grâce aux étriers de frein. Le Niro dans sa version première génération. On a une MG4, une autre i208, également une BMW i4. Là, une autre MG4, encore une autre MG4 qui vient d'arriver. BMW iX3, une formidable ZS deuxième génération. Elle est formidable ou elle n'est pas formidable cette voiture? Elle est formidable. Une Mégane e-tech, une Model 3. Et encore un ZS deuxième génération. Pardon. On a aussi une Zoé que je voyais arriver tout à l'heure qui doit être en train de se garer. Par là-bas, on a de la Model Y qui se recharge. Donc, Beaucoup de voitures, on en a plus d'une cinquantaine normalement aujourd'hui. On vous fera un petit point après notre tour. Le but, c'est de comparer la consommation de toutes ces voitures sur un parcours qu'on va tous faire en même temps. Donc l'avantage, c'est qu'on aura tous les mêmes conditions, etc., etc. Et c'est aussi de donner un petit peu de visibilité aux voitures électriques à La Réunion. Là, on va faire un parcours d'une cinquantaine de kilomètres en se suivant les uns les autres. On va y aller parce qu'il commence à être tard. So your tea has been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down.
And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. You will get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. La 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 la. Every time you feel the walls are closing in, and it seems like nothing makes it better, you should try to remember that's just how it is when it comes to love, comes to love. 'Cause you know sometimes it hurts, and you end up getting burned. But sometimes it can be beautiful. That's just love, that's just love. Get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. You will get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. La 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 la. Every time you feel the walls are closing. Je vais procéder au tirage au sort dans 2 minutes. On a fini, on est arrivé. Donc tout le monde a mis son petit papier dans cette poche là, que je secoue pour que chacun ait sa petite pierre. C'est un grand saladier. Je vais tirer au sort les gagnants des différents cadeaux et remettre les cadeaux aux personnes que je vais tirer au sort. Ça va, vous n'êtes pas trop mouillés? Super. Qui était en train de suivre le KEV6 quand il s'est perdu, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous écoutez? Oui. Donc là, on tire un shooting photo avec PG Studio qui est par là. Il est où? Il est planqué là-bas. C'est lui là. C'est lui le responsable. Donc le shooting studio non habillé, c'est moi. Voilà, non habillé. Voiture, hein, je parle. Numéro 35. Ouais. Numéro 35. J'ai refouillé, vous m'avez vu refouiller, hein. Comme par hasard. Bravo, tu as gagné un shooting photo. Le deuxième cadeau, c'est eShop. Il est où, Dominique? Dominique. Merci. Reste. Il n'y a pas de souci, on te donnera les numéros. On se mettra en contact. Ok. Mathias. Non, c'est pas toi. Donc c'est le numéro 1. C'est qui le numéro 1? Oui, je me disais. Donc toi, tu as gagné un AirPod et un AirTag. Un AirPod et un AirTag USB. C'était un iPhone? Ça tombe bien. T'as un iPhone? Eh ben c'est parfait, ouais, voilà. Bon. Donc Tech Tech Immobilier, c'est une agence immobilière. Donc il y a une nuit en Airbnb à Manapani à gagner. Numéro 31. Ah bah voilà. Une nuit en Airbnb avec la personne.
Une nuit à Airbnb, bravo à toi. On prendra tes coordonnées, on reviendra vers toi. Douache. 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 Il est où? Ah, il est là. Il y a un lavage complet et deux lavages. Alors, les deux autres lavages sont à gagner en commentaire de cette vidéo-là. Pause. Juste pour vous rappeler que Douache offre deux lavages supplémentaires. Ce sont des lavages extérieurs. Ça se passe dans les commentaires de cette vidéo. Les deux premiers qui diront merci Douache gagneront un lavage. Donc, qui a gagné un lavage complet de sa voiture? En plus, là, il y a besoin, il pleut. Le numéro 47. Ah, ben voilà. Félicitations, on reviendra vers toi, on prendra tes coordonnées, il n'y a pas de problème. Suivant, c'est LVE. Donc, LVE Réunion qui offre un week-end en Aways U5. Le numéro 39. Si, c'est ma femme. Oui, c'est moi qui ai rempli cette feuille. Qui a gagné? Numéro 48. 48? Ah, et ben voilà, tu pourras tester le Aways U5. Yes. Dernier cadeau, un accès au massage chez Neyir, le numéro 26, le bon. Ben voilà, tu vas pouvoir aller faire masser. Félicitations à toi. Pour les choses qui restent à gagner, je vais tirer au sort et vous allez me donner la marque de votre voiture. C'est un adaptateur V2L. C'est Réunicars qui les offre. On dit merci Réunicars. Numéro 50. Peugeot, merci. Quelle honnêteté. Marc Benarou. Non, c'est une Tesla, ok. Numéro 6. Numéro 6. Qui ça? Oh, la oh, c'est une Tesla encore. Ah, bon, c'est bon. J'ai tiré un MGZS2, c'est écrit dessus. Ah. Numéro 23. Est-ce que tu as une grosse batterie ou une petite batterie? 70 ou 50? 400 km ou 300? 70 il te semble. Eh bien félicitations, tu as gagné un adaptateur V2L, numéro 23. Donc le CarPlay. Ou Android Auto. Ou Android Auto, selon. Duflo Didier. Ouais. Tesla. 22. 22. BYD, David, est-ce qu'il y a Apple CarPlay, Android Auto sans fil dans ta voiture? Non, avec oui, fil. Android, oui. Oui, mais avec fil ou sans fil? Sans fil? Dommage. 19! Qu'est-ce que tu as comme voiture? Eh ben voilà, tu as gagné. Donc tu as gagné un adaptateur pour Android Auto et Apple CarPlay mais sans fil. Merci de nous avoir regardé jusque là, si vous avez regardé jusque là. C'était un super event. Là je vais distribuer les cadeaux de Hager qui sont tous ici et pour les différentes personnes qui ont participé. Et Marc-Antoine va dire qui a gagné sa borne. On remercie aussi Thomas. Thomas, c'est ça qui vient de la société Total Énergie qui en charge des véhicules, du moins des bornes de recharge. Si vous pouvez vous recharger aujourd'hui gratuitement, c'est à cause de lui, ouais, ou grâce. Allez, on démarre sur maintenant la borne. On va donc ouvrir l'enveloppe magique. Attention, les chiffres magiques. Le chiffre magique qui est sorti de ma tête de malade, c'était 46-931. 46-931. Ça veut dire que le gagnant, c'est Laurent. Forcément, puisque lui, il tombe sur le chiffre. Donc, il n'y a même pas de chifoumi à faire. C'est qui? Laurent. Qui Laurent. Laurent qui, Laurent qui a gagné. Ah, c'est moi, je m'appelle Laurent. Runcharge va remettre... Le micro. Au gagnant, 5000 km de recharge, l'équivalent de 5000 km de recharge. Le jeu était de poster une photo originale, quelque chose sur le challenge, Mega Air Challenge. La photo donc, qui apparemment est celle où on voit, on distingue une voiture, apparemment ça ressemble à une Ioniq. Ou à côté, il y a un jerrycan d'essence et un panda. Ah, tout le monde l'a trouvé génial. Je suis d'accord. Et c'est celle, voilà. Et c'est Laurent Lebon. De la part de Runcharge sur notre réseau. 5000 km à dépenser. Donc, bah, allez, bah, sur la route. Merci beaucoup. Yes. Je il est là, le panda. Allez, il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Ah, il faut valider, il faut le voir. Chloé est là aujourd'hui aussi pour vous poser si vous avez des questions.
je pense qu'elle peut au moins les récupérer pour les reposer ou alors y répondre. Mais voilà, donc je voulais les remercier pour leur participation, remercier également tous les autres participants, donc que ce soit Total, que ce soit Hager qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Neyir, etc., etc., les cadeaux qu'on a déjà donnés. Merci à tout le monde. Prenons un petit moment pour regarder les résultats. De toute façon, vous aurez le lien vers ce Google Docs. Il est en description de la vidéo. Je voulais juste le commenter avec vous. On va commencer par la fin. La fin, c'est la Renault Zoé qui n'a pas fini notre tour. En fait, arrivé en haut, en bas de la montée pour aller vers le tampon, ben, il a tout simplement décidé de ne pas monter puisqu'il est resté que 30% de batterie. Et que comme vous pouvez voir ici, il n'a que 12 kWh de batterie totale. Donc il a préféré jouer à la sécurité et ne pas monter. Donc le vrai dernier, c'est le V6 GT avec sa consommation de 22,3 kWh au 100 sur notre parcours. Joli score. Bravo, bravo au pilote hein, parce que c'est compliqué d'avoir une consommation aussi haute. On va voir les premiers tout à l'heure. Il est vraiment très très loin. Juste avant le Marvel Air avec 17,6 kWh, donc un des Marvel Air qui a fait le tour avec nous. Puis le EV6 GT Line avec sa consommation de 17,5 kWh, donc on ne va pas tous les faire, vous voyez qu'il y en a plus de 40, on était en tout 43 participants, puisque certains ont décidé, ne sont pas venus à cause du mauvais temps. On va remonter toute la ligne pour vous présenter naturellement les trois premiers qui sont ici. Donc en première position, la Tesla Model Y propulsion de marque qui finit à 12,6 kWh au 100. En deuxième, la Peugeot 208, c'est mon papa, qui a fini à 12,7 kWh au 100. Et ces deux voitures finissent devant la Dacia Spring. Donc voilà, c'est si on regarde bien, même si on va jusqu'au top 5, ce sont des voitures qui sont réputées pour leur consommation basse. On peut aussi ajouter le MG4 et la Kia Niro. La 208 n'était pas forcément connue pour ça, donc plutôt une bonne performance pour cette voiture-là. Il y a d'autres 208 dans le tableau. Je vais vous expliquer rapidement comment ils fonctionnent. On a une première colonne où on voit le pourcentage de départ. Les résultats arrivent au gouffre, si vous voulez voir la consommation plutôt sur plat, à vitesse modérée. Au retour de Saint-Pierre, donc là c'est que de la 4 voies. La montée vers le tampon et enfin l'arrivée donc avec la redescente jusqu'à Monsieur Bricolage. Quand les cases sont noires, c'est que j'avais pas les relevés intermédiaires, donc je les ai laissés en noir. Quand les cases sont jaunes, c'est que j'ai mis des doutes sur la qualité du relevé. Donc parfois c'est la voiture qui permet pas de faire ça. Donc on sait, la BYD Atto 3 par exemple, elle a des relevés un petit peu aléatoires pour dire les choses sobrement. Et quand vous voyez du bleu ici, c'est que j'ai retravaillé la valeur parce qu'elle n'était du coup pas cohérente. En fait, ben, tout simplement, je l'ai remoyenné avec la taille de la batterie réelle que vous voyez ici. C'est kilowattheure mesuré, c'est le nombre de kilowattheure que j'ai mesuré réellement dans la voiture. Que j'ai corrélé avec la taille de la batterie annoncée par le constructeur, donc j'ai mis en capacité nette. Merci, il y a un des participants qui m'a fait la remarque, j'avais mis les capacités brutes, ce qui n'a aucun sens, donc j'ai remis les capacités nettes. Et ici, c'est l'erreur, donc c'est-à-dire la différence entre ce que j'ai mesuré et la vraie capacité annoncée par le constructeur. Quand c'est positif, ça veut dire qu'il en manque, et donc tout va bien, ça veut juste dire que la batterie s'est un peu abîmée, ou alors que dans l'état où on l'a mesuré, c'était pas forcément optimal. Quand c'est négatif, ça veut dire qu'on a un peu plus de batterie que ce qui était annoncé. Ce qui n'est pas étonnant pour certaines voitures, je pense au groupe Kia Hyundai par exemple, sur le Kona, sur le Niro et sur les grosses batteries IONIQ 5 et EV6. On a plus de kilowattheures que ce qui est annoncé par le constructeur parce que c'est la stratégie du constructeur. Mais parfois c'est un peu plus étonnant, comme sur cette Dacia Spring qui s'en sort avec 31 kilowattheures au lieu des 26,8. Donc voilà, je ne vais pas commenter tous les chiffres, vous pouvez aller checker ça par vous-même, regarder qui a consommé quoi et à quel moment sur tout le monde du trajet. Merci encore une fois à tous les participants. C'était une très bonne journée, on a eu de la pluie, mais ça restait quand même une très bonne journée. Ce sera sûrement refait, on va essayer de faire ça avec un peu plus de monde, alors pas forcément très bientôt, mais parce que ça demande un petit peu d'organisation quand même. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. Encore une fois, merci à vous.
et à bientôt les électrifier.